un dépôt d'armes de l'armée burkinabé attaqué. Un dépôt de matériel de l'armée a été la cible d'une attaque dans la nuit de jeudi 21 au vendredi 22 janvier 2016 à Imdi, près de la capitale Ouagadougou au Burkina Faso. Selon les autorités burkinabées, cette attaque serait l'œuvre d'une vingtaine d'assaillants. Dans la nuit du 21 au 22 janvier, aux environs de 3h du matin, une tentative d'incursion n'ayant fait aucune victime a eu lieu au niveau du magasin d'armement de Imbi. Le site est sous contrôle des forces armées nationales et le dispositif de surveillance a été renforcé. Aucune victime n'est à déplorer, mais les sources sécuritaires font état d'importants dégâts matériels. Les assaillants auraient emporté des armes et des munitions. Les opérations de ratissage sont en cours dans la localité de Imdi. Je ne saurais pas vous dire les motivations réelles de cette attaque. Parmi ceux qui ont perpétré l'attaque, certains éléments de l'ex-régime de sécurité présidentielle qui ont été identifiés. Et certains ont été arrêtés sans avoir eu d'interrogatoire. Qui sont les autres éléments, qui sont les auteurs, l'enquête nous le confirmera dès qu'on aura de nouveaux éléments. Pour le moment, la totalité de l'identité de l'entièreté de ce gouvernement. Le 16 septembre 2015, le régiment de sécurité présidentielle avait perpétré un coup d'État orchestré par le général Gilbert Diendéré. Les 1300 hommes de cette unité d'élite ont été dissous et une trentaine d'entre eux ont été emprisonnés dans une prison militaire aux côtés du général Gilbert Diendéré. Le 24 décembre 2015, une tentative d'évasion préparée par les ex-membres du régiment de sécurité présidentielle aurait été déjouée par les autorités de la transition burkinabé.